Voilà les amis, nous nous étions quittés juste ici dans la vidéo précédente. Donc nous sommes partis pour qu'on continue la vidéo. Voilà, tout simplement, on défonce du gros méchant qui sont tout mignons, pas beaux. On va les défoncer, voilà, ça se fait vite, hein, franchement. Hop, voilà, sans souci, quelques claquements de doigts, hop, voilà, tac. Voilà, excellent. Alors, il me faut quelques trucs là-bas. Voilà. Alors, je vais me le faire là, le gros là. Je suis trop loin. Mais non, t'es pas loin. C'est ce que t'étais en mouvement. Donc il fallait que je récolte les ingrédients, c'est ça. C'est ça. Il fallait que je récolte les ingrédients puis que je les amasse au chaudron à juste avant la caverne. Voilà, attends. Si j'ai bien compris le principe, hein. Voilà. Alors par contre, il me faut la braise de machin truc, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. La braise noire de flamme... C'est peut-être à l'intérieur. Hein. Ce serait pas ici la braise. Salutations. Voilà. Alors, ne serait-elle point ici, la fameuse braise? Ah, tiens, mais il y a les quêtes, là. Ça va? Avec sa voix, ça va? Tu vas bien? Prenez soin de vous. Je peux vous aider. Que la journée soit bonne. Parfait, bah alors, faisons ça. Faisons ça bien. Non, t'as rien vu. Hop là, vanish, disparition. T'as vu ça? C'est fou, hein, c'est fort. Hop là. Alors, c'est lequel que je dois tuer, hein? Petit... Ah, le coffre. Ok, donc à mon avis, le boss doit être devant. Oh, mais ça va se faire vite, ça. Voilà, il y a son coffre qui est juste... Je l'ai vu, son coffre. À mon avis, le gros lard a dû être devant, dessus. Non? Et je l'ai vu, son coffre, tout à l'heure. Mais... Je suis sûr qu'il doit être dessus, en plus. Non? Je suis sûr que ce gros tas doit être dessus. C'est une blague. Ouais, c'est juste qu'il faut, il fallait juste reprendre le machin. Je me souviens que j'avais vu un coffre, moi. Non? C'est vrai que j'avais vu un coffre, là. Je sais pas. J'en sais rien, j'ai peut-être bugué. Feu, terre, vent, larmes. Ok, d'accord. Alors, feu. Terre. Vent. Et larmes. Bah, c'était pas ça? Bah, feu, terre, vent, larmes, c'est pas... Ah bah si, voilà, c'est ça, c'est bon. Ok, attends, parce que du coup, je suis toujours en mission secrète pour l'autre machin. Là. Enfin, c'est plus mes ennemis, mais non, c'est bon.
Ils sont cool. Ah bah voilà, parfait. Vous avez besoin de quelque chose. On se voit plus tard. Ok. Pour l'Alliance. Tu viens ? D'accord, mais y a pas besoin de les combattre en fait, c'est des potes maintenant. Tu vois, c'est des potes, ils sont gentils. Tu vois ? Ils sont avec nous maintenant. Ils ont été libérés de leur... Tu vois ? C'est pas cool ça ? Ben voilà. Voilà, tu vois ? Avec tes préjugés là sur les ogres. Hein ? Voilà. C'est bon ? Allez, fuis. Fuis, humain. Humain lâche. Lâche, humain. Alors maintenant qu'ils sont tous gentils, elle est où cette foutue braise ? Ce serait pas ça la braise noire ? Braise flamme noire, d'accord. Mais où est-ce qu'elle est, cette foutue braise ? Peut-être qu'il me dit où est-ce qu'elle est. À l'entrée du taudis. Ok, d'accord. Et le taudis, il est où? C'est quoi le taudis? Qu'est-ce qu'ils entendent par taudis? C'est ça le taudis? Je sais pas si c'est ça le taudis. Ah si, si, taudis de... Ah, attends, alors, l'entrée du taudis, alors... Si du coup, le taudis, c'est tout ça, je pense que logiquement, l'entrée du taudis, sanctuaire de Goldrin, taudis, voilà. Ça doit bien se trouver quelque part, non? Ben merde alors. Tu trouves où ce foutu braise? Je pensais dans un truc comme ça, moi, non? Ah! Bah non. Bah non, j'aurais bien vu ça là-dedans, moi. C'est bizarre, ça. Là-dedans? Ah, d'accord! C'est qu'en fait, c'est que j'avais pas... Voilà, parfait, c'est ça. Vas-y, tu es libre, mon ami. Voilà. L'avantage, c'est que vu qu'ils sont plus méchants, c'est cool, quoi. Ah, je suis bugué sur le clic. Le clic m'a fait bugger. Amis esclaves, je vous libère du joug de l'oppression et de l'esclavage. En ce jour de gloire, je vous nomme de sortir de cette caverne et de fuir vers... Ah bah là, c'est foiré, non, le discours est foiré. Désolé, désolé. Je peux reprendre à... Et de fuir vers votre liberté nouvellement acquise au sein de notre horde. Battez-vous avec nous, jeunes esclaves, libérés. Et appelez-moi Khaleesi. Ah oh putain, la blague. Oh, mais je me saoule moi-même, quoi. Non, je sais bien, j'ai vu, ma grande, t'inquiète. Alors, hop. Wouah. Wouah. C'est moi en plus grand, c'est cool. D'accord. Pourquoi t'es méchante comme ça?
Si je danse, tu danses aussi? Ah non, même pas. Et je vais pas le tuer. Bon bah je le tue. Là, voilà. Voilà. Donc, c'est pas tout ça, mais j'ai des quêtes à rendre. J'en suis où là de ma répute Ah, presque 12 000. Ça sera pas mal. Ça ne sera pas mal. Bonjour. Bonjour. 15, oui, oui, la thune. Fais péter la thune. Que la journée soit bonne. L'Octan. Pour la horde. Attends, bouge pas, je rentre ça. Je suis la victoire. Des Nagris. Acha Fena. De quoi avez-vous besoin? Force. C'est bien ça. Allez dans l'honneur. Ok, donc tu veux que j'aille où exactement? Ok, d'accord. Donc, mont de foudre du crépuscule, tu es d'accord. Jarre condensatrice chargée. Ok, il a fallu le temps, mais c'est bon. Du coup, il veut que j'aille faire au-dessus ou en dessous? Non, ça a l'air d'être là. Ok, c'est bon. Salutations, je viens vous défoncer les dents. Voilà. Ça c'est fait. Donc si j'ai bien compris. Voilà. Oula, attention baston. Ok, d'accord. T'as l'air sympa toi, viens ici. Pourquoi j'étais pas en fufu là? Oh, je me suis dû bugger sur la fufu. Alors, oh, bon, désolé, mais je bail. Il y en a d'avoir des trucs là en haut. Merde. C'est cool ça. Salutations voleuses. C'est pourquoi avec une ancienne frère d'âme, nous avons décidé d'unir les femmes. Tu fais partie de ces deux grandes aventures. Putain, ça défonce! Attends, ça défonce, tu rigoles ou quoi? C'est des gars qui sont en fond dans le roleplay, là. C'est génial! C'est génial! Mec, je t'aime. Je t'aime. Attendez, parce que deux ans... Là, j'ai un event particulier par quelqu'un. Alors, plusieurs salutations. Pourquoi pas, trois petits points. Je ne sais pas trop pour le moment. Cher ami, cher, c'est... Putain, il y a un S ou pas? Je sais plus, mais non. Cher ami. Je suis indécis. Mais ton offre... Grandement, c'est comme ça ce que s'écrit? J'ai un doute. M-E-N-T, hein. Si, ça doit être comme ça. C'est génial, putain, vous avez... c'est top! Salut tous, Putain, cette demande de trucs, c'est pas juste... Veux-tu venir dans ma guilde? C'est top et tout, ils ont mis les... Ah bah c'est top, ça fait plaisir de voir ça sur un serveur, en plus c'est un serveur roleplay, donc logiquement. Voilà, au moins c'est quelqu'un qui se fait bien plaisir et qui joue vraiment, et qui demande comme ça à... C'est sympa, franchement. À voir ce qu'il va répondre. Oh.
Ok, alors attends. Groupe. Comment tu fais encore pour ajouter ami? C'est ça, non? Ajouter contact. Comment il s'appelle? Iceland, c'est ça? Iceland. Je crois que ça doit être ça. Ah merde, il y avait deux zen. Je crois que j'ai pas mis deux zen. Iceland, je crois que ça s'écrit comme ça. Est-ce que le ah, majuscule importe ou pas? Jour introuvable. Putain, ils me font chier. Ajouter contact. C'est le nom du personnage. A E S L A N N. Ajouter contact. Voilà. Bah chuchoter. Je peux pas lui chuchoter en groupe, peut-être si je chuchote comme ça. Voilà. Merci bien, bonne journée à toi dans tes quêtes. Franchement, c'est la première fois, je vous jure que c'est la première fois de ma vie que je reçois une demande de rejoindre une guilde aussi bien, aussi bellement formulée. Alors je sais pas si ça se dit, mais je trouve ça chouette. Alors du coup, je peux pas voir sa guilde. Franchement, je suis sur le cul. Parce que ça fait trop plaisir de recevoir des demandes comme ça. Et je pensais que c'était même un event en fait. Je pensais que c'était un mob qui me parlait d'un truc pour annoncer, je sais pas, la Légion Ardente et l'extension. Mais non, même pas. C'est le mec qui te la joue roleplay à fond de balle. Et c'est génial. Moi j'adore. Merci à toi, tu as égayé ma journée, cher Iceland, je sais pas du coup comment ça se prononce, mais si un jour par pur hasard tu tomberais sur cette vidéo et que tu vois ce que voilà, moi tu m'as éclaté, je te remercie. Bref, donc ça c'est bon, fait chier. Et du coup rien à foutre de la taille de la guilde quoi. Mais rien à carrer. Rien à foutre que ce soit une bonne guilde, rien à foutre que ce soit. Juste le fait d'avoir fait une demande comme ça, assez précise et assez spectaculaire. D'accord, alors là par contre il me faut... Alors, arrêtons de blablater, j'en étais où là? Sur l'escarpement de fou, le marteau, menez votre enquête sur les canalisations. Puis utilisez le totem pour invoquer l'esprit de l'un et lui demander ce qu'il a derrière la tête. D'accord. Pardon. Je dois l'invoquer ici? Bonjour, qu'as-tu derrière la tête? Nous le retrouvons, vous voyez, semer la peur. D'accord. Objet requis. Une jarre en verre bouchée avec un serpentin de cuivre au centre. Ok. Et utiliser la pelle. Ok, d'accord. Donc il me faut la truc. Je sais pas où est-ce qu'elle est par contre, moi. T'as... Ouais, bon, les bastons, si vous voulez. Je voulais pas spécialement vous tuer, je voulais juste venir en fufu derrière vous. Ah, bah, je me demande si c'est pas ça en fait. Putain, c'est ça les gars, c'est ça, c'est juste ça, j'étais juste à côté. Alors attendez, hop. Parfait, je suis l'élu, c'est bon. Ok. Alors je préfère que la carte soit comme ça, merci, je trouve ça plus agréable. Traverser le portail des flammes, c'est parti. Au sommet de l'escarpement de foudre sur le mont Igel, puis parler à Jordan Olafsson. Olafsson, ça va être ça. Dans la gueule du loup. Ouais, non, si c'est ça, c'est qu'en fait, c'est que le portail il t'envoie dans. Hello! Comment ça va? Ça farte? Alors. Je vous souhaite une bonne journée. Putain, ça me rappelle quelque chose, ça. Ça, mais ça me rappelle trop quelque chose. Accepté. Comment allez-vous? On se voit plus tard. On se voit plus tard. Ah bah j'ai pas pu fouiller dedans. Hey, bonjour toi l'ami. Bonjour l'ami Pandaren. Comment se passe ta journée agréable dans cette zone de quête assez sympathique ?
Hello ! Salut ! Oh, il en a rien à carrer, le mec. Les petites caissettes là-bas. Putain, ça, mais pourquoi ça me dit tant quelque chose, cet endroit ? Qu'est-ce que... Il y avait un truc à farmer ici ? Est-ce qu'il y avait-il un truc à farmer ici ? Non, je ne sais plus. Non. Oh, mais pourquoi ils sont déplacés par là, bande de... Bande de mioc, là. J'aime bien le petit détail des armes en fusion qui vont être... Enfin, pour moi c'est ça, hein. Pour moi c'est... Non ? On dirait des armes qui sont en train d'être coulées, quoi. Sur ce, éliminons nos ennemis. Voilà, charge de revanche. Bien comme ça. Alors noyau, il manque plus combien là? J'ai bien vu, tu sais, ne t'inquiète pas. Noyau fumant. Ah oui, d'accord, il faut que je les détruise. Il faut que j'en détruise 8. Il faut aussi que je tue les travailleurs sans refaire. Voilà, il m'en reste encore quelques-uns à choper. Je fais chier à pas avoir assez d'énergie, ma grosse. Alors lui, je crois qu'on l'a tué un jour. Mais écoutez, je vais essayer. Mais de toute façon, je vais me faire défoncer. Pourquoi est-ce que j'esquive toutes ces attaques? Putain, c'est classe! Voilà, ça c'est fait. La chair raffinée, ça apporte quoi alors? Non, rien du tout. Enfin, peut-être que je revienne le tuer juste après, hein, c'est possible, mais. Je t'aide, mon ami Pandaren. Alors quoi? Salutations avec les récents événements, plus personne... Attends. C'est pourquoi avec un ancien frère d'âme, nous avons décidé d'unir hommes et femmes. Putain, mais c'est classe, mais c'est fou quoi. C'est la même ou pas? Attendez. Juste voir. C'est pourquoi avec un ancien frère d'âme nous avons décidé. Il se fout de moi ou quoi? Il se fout de moi là, c'est pas possible. Attendez. Attendez, je vais me mettre dans un coin. Je vais essayer de... Salutations, virgule. Ne connaîtrais-tu pas un certain Alisland? Alisland, ouais, c'est ça.
Salut le coeur, je suis pas certain, Islan. Parce que là, pour avoir deux demandes de heal comme ça à quelques à quelques minutes. Alors, plus que combien là? Deux, ok, parfait. Plus qu'un. Ah, j'aurais plus de chance par là, à mon avis. Voilà, c'est ça. Et hop! Effectivement, à Islam. Ok, d'accord, j'ai compris. Il m'a. Oui, c'est bon. J'ai répondu que j'étais intéressé. Merde, intéressé. Mais pas tout de suite. J'en conclue que tu vas donc refuser. Absolument pas, mon ami, absolument pas. C'est juste que là, je ne suis pas à ça pour le moment. Peut-être niveau 100. Peut-être niveau 100 pour t'avouer les choses. Mais j'ai pas envie de mettre niveau 100. J'aimerais bien lui mettre peut-être. Peut-être lorsque ma force sera à son maximum. Voilà, ça fait plus à son maximum. Oui, je pense que j'ai bien écrit, hein. Avouer les choses, peut-être. J'essaie de faire quand même attention à mon orthographe, parce qu'on a vite tendance à partir, mais trop dans des catastrophes orthographiques. Et voilà, donc c'est pour ça que je fais quand même attention à ce que j'écris. Alors, donc il faut que je détruise... Normalement, je les ai. Requiert enclume du crépuscule. Ah oui, effectivement, ça c'est problématique. Où est l'enclume du crépuscule? Bah, tu sais quoi, je vais aussi l'ajouter en ami, tiens. Comme ça j'aurai la totale. Ajouter un contact, on va l'ajouter à Mulgorn. Non, Mulgorn. Ajouter un contact. Joueur en trouve à putain, mais c'est... Qu'est-ce que je fais mal? J'écris si mal que ça? Il y a une majuscule, c'est ça? Mulgorn. Ou alors c'est un M? Mulgom? Est-ce que ça sera un M? Est-ce que je le vois mal comme M? M-U-L-G-O-M. C'est peut-être Mulgom, hein? Ah ouais, c'est ça, c'est Mulgom. Je pensais que c'était Mulgorn. Vous voyez, en fait, c'est avec le trait. Ok, parfait. Voilà. Bah écoute, ils sont au niveau 100. Peut-être que ça m'intéressera. C'est entendu, chère voleuse, peut-être que nos routes se recroisent de nouveau dans Azeroth. Loctar Ogor, très cher. Ogar, Loctar Ogar, merci. Et que la paix t'accompagne. Eh ben putain, les gars, eh ben ça fait plaisir. Sans déconner. Chuchoté, merci. Merci. L'ami et poil aux oreilles. Non, c'est cils d'oreille. Voilà, c'est ça. C'est cils d'oreille. Alors, attendez. Alors, il me faut l'enclume. Je sais pas où est-ce que c'est cette foutue enclume, là. Il me semble que j'ai vu une enclume tout à l'heure, non? C'était pas ça. J'ai vu une enclume tout à l'heure. Il faut les enclumes, noyaux, machin, truc. Enclume, ma petite enclume. Oh, salut. Hésitez où là, les nains qui travaillent. Attends. Non, l'enclume doit pas être là. J'ai vu une enclume tout à l'heure. Enfin, ou alors j'ai bugué, mais. Il me demande de briser les cœurs. Alors. Putain, récupérer la salière, puis broyer les à l'enclume du crépuscule. Ok, mais l'enclume du crépuscule, où ça se situe? Peut-être là-bas, non? Ouais, non, là je remonte sur le machin. L'enclume du crépuscule. Ah ben voilà, enclume du crépuscule, c'est parfait. Ah, j'ai vu que je n'avais plus de poison.
Voilà. Poison, c'est ça, poison. Parfait. Allez, bam. Vas-y, fais péter ça. Ce n'est pas encore prêt. Mais si, mais si. Pendant que je suis là, hop. Petit coup de flotte. Je ne peux pas encore utiliser cet objet. Et les amis, nous allons nous arrêter ici. Ah ouais, je coupe, mais au plus mauvais moment. Donc je vous dis à la prochaine. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Est-ce que j'arriverai à faire à briser le 8e cœur des noyaux fumant détruits? Vous le saurez dans le prochain épisode. N'oubliez pas le petit j'aime, petit commentaire. Et à plus tout le monde. Salut, salut!